Et bonjour les chapeaux de paille, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les WCF à nouveau, sur les History Relay qui sont sortis pour les 20 ans de One Piece. On le voit ici, donc là c'est volume 3 et volume 2, j'en ai pris que certaines, celles que je voulais. On a ici tout le volume numéro 3 et ici tout le volume numéro 2. Le volume numéro 1, vous pouvez le voir dans d'autres vidéos. En attendant, c'est parti, je vous ouvre ça. Donc, je les ai mis comme ça exprès. Hein. Franky qui poursuit Perona et Perona qui poursuit Usopp. Bon, normalement, c'est plutôt l'inverse, c'est comme ça. Au niveau de la boîte, voilà, pas de grosse étiquette comme les boîtes françaises. C'est du japonais. C'est boîte neuve, je les ai eu pour environ celle-ci 7 euros. 7-8 euros, je crois. Donc, à vous de trouver les bonnes occasions. Il y a certains personnages comme Mister Two, ici, qui au Japon est très coté. Il est à 20 euros, juste lui. Robin aussi, elle est à 15 euros, elle toute seule. 12-15 euros. Là, sur ce volume, le volume 3, non, ils sont à peu près tous au même prix. Il n'y a pas de différence encore. Et c'est Baggy le clown sur le volume 1 qui aussi est plus élevé. Maintenant, vous pouvez les avoir en France tout volume pour à peu près 60 euros. Donc ça vous fait 6 figurines à 10 euros. Alors, notre ami Franky. Ah, voilà. Elle est belle. Non, elle est bien faite. Alors, donc, du coup, il y a le bras en séparé. Ah ouais, quand même, si. Ah, si, elles sont bien détaillées. Ah ouais, ça ressemble pas aux premières. Vraiment, c'est par comparé aux premières dont j'ai fait les reviews il n'y a pas longtemps. Il y a un autre niveau là, c'est ça a pris de la qualité. Donc là voilà. Elle est bien, franchement là il est beau le Franky. Je la regrette pas du tout. Alors, si les autres elles sont pareilles, hein, ça va être de belles figurines. Ah bah ouais. Même chose, même qualité. Oh là là là. Ça a changé. Regardez ça. Wow. Alors celle-là, vraiment, je vous conseille de les prendre. Du coup, j'ai peut-être essayé de m'en trouver d'autres, de me trouver les Mister Two, Baggy que je voulais justement, qui sont plus cotés. Bah, je vais voir si je peux pas les avoir pour un peu moins. Ah, on a le Made in China ici. Bon, c'est un peu dommage, mais bon, faut bien le mettre quelque part. Et voilà, excellent. Hop, Franky qui poursuit Perona. Et Usopp, donc lui, il va y avoir le fantôme à part, je pense. Voilà, c'est ça, le fantôme. Lui aussi, il est beau.
Par contre, c'est toujours délicat, on a peur de casser la tige, de casser la figurine. Ah voilà. Et voilà, donc on a Usopp, poursuivi par Perona et poursuivi par Franky. Je vous montre ça de près, là les détails sont vraiment bien faits. Ça n'a rien à voir avec les autres figurines WCF que j'avais vues auparavant. Super, il n'y a rien à dire. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et puis à très bientôt pour une autre vidéo. Bonne journée.